Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc vraiment différente de ce que je fais d'habitude. Ce sera un petit scénario. Pour ceux qui me connaissent, puisqu'il y a quand même pas mal d'abonnés que je connais en vrai, donc soit qui viennent au magasin ou que je connais du club canin ou autre, vous allez reconnaître qu'il s'agit de ma maman pour faire le scénario, parce que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui a envie d'être filmé. C'est pas toujours facile d'être à l'aise aussi devant une caméra. Moi-même, bah, c'est pas toujours évident. Et donc, on va faire ce petit scénario pour montrer comment ça se passe au magasin, comment je sers un client qui entre, je réponds aux questions. Voilà, ceux qui me connaissent en vrai savent déjà comment ça marche, mais pour ceux qui n'ont jamais vu le magasin et qui commandent en ligne, par exemple, ou qui découvrent tout simplement cette chaîne YouTube, eh bien, voilà, n'hésitez pas alors à liker, à regarder dans les commentaires, excusez-moi. Donc, à regarder la description ici en dessous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez vous abonner. Et je vous encourage à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner. Comme ça, vous recevrez les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Alors, voici... pour cette nouvelle sorte de vidéo, en fait, on va voir un petit peu comment ça se passe pour servir un client de façon le plus naturelle possible. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, les loulous, ils vont bien? Ils vont bien, oui, ils vont bien, merci. Ah, ben c'est chouette, super. J'aurais des petites questions à vous poser, mais à part ça, je vais d'abord prendre mes quelques petites courses. Pour pas les oublier. Ben voilà, ok. Est-ce que dans les barquettes que je prends habituellement, avez-vous des nouveaux goûts? Oh oui, il y a au bœuf et pommes de terre. C'est les tout premiers qui sont dans le frigo. Voilà. Ah non, je vais faire. Voilà. Voilà, bah c'est bien, ils n'auront pas faim déjà. Déjà le bon. Voilà. Bah c'est bien. Et les petites gougouilles. Et les petites gougouilles, hein. Ah oui, parce qu'on veut les faire travailler, ils en ont besoin. Voilà. Voilà. Et quoi, le petit chihuahua, est-ce qu'il mange toujours aussi vite? Il mange toujours aussi vite ses croquettes et moi-même, je n'ai pas trouvé de solution. Ah ben moi, j'en ai peut-être une, hein, parce qu'il y a les gamelles anti-gloutons, donc qui sont très pratiques. Donc elles sont là-bas, donc elles sont posées sur les sacs de croquettes, voilà. Et ça c'est une gamelle qui est pratique à utiliser parce que déjà c'est facile à laver aussi parce qu'il y a des gamelles anti-gloutons où il y a beaucoup de petits recoins, ici c'est facile. On met la poignée de croquettes au milieu, ça s'éparpille, on peut même le faire bouger un peu. Les croquettes vont se mettre un peu partout et le chien est obligé de ralentir, il ne sait pas aller aussi vite pour manger. Et dû à sa petite bouche, vu que c'est un tout petit chien, eh ben, il doit vraiment aller dans les creux pour aller dans manger. Dans les creux, oui. Et c'est, voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment une gamelle qui est très, très bien faite. Et qui dure longtemps, c'est du costaud. Et... La marque Hunter, hein, c'est une très bonne marque. On va essayer ça aussi. Ah ben voilà. On va être surpris. Il manque plus que les croquettes alors. Attention à ne pas se tromper comme l'autre fois. Hein. Bien prendre les mini croquettes. Voilà. Voilà, connaissant le petit trésor, il n'aime pas manger des grosses salades. Voilà. Ok, eh ben, c'est très bien. Donc, ben voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour le petit loulou. Ah oui, voilà. Je suis content. Voilà, donc, vous allez mieux. Voilà. Ah oui, dès que vous rentrez, comme ça, il regarde hein, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a dans le sachet. Tout ce qu'il y a dans le sachet. Il regarde, il sort et... Ah ben c'est chouette. Il demande. Ah ben ils savent bien que c'est des choses pour eux. Hein. Voilà. Ici. Et la gamelle. Hop. Voilà. Donc ça fait 28,20 € s'il vous plaît. Voilà. Avec bon contact. Bon contact. Voilà. Ouais. 28. Et voilà, donc possibilité de payer sans contact en passant la carte juste au-dessus de l'écran. Voilà, super. Voilà qui est fait. Voilà, il a dit oui, ça va. Alors, le ticket.
Une bonne fin de journée. Merci, merci beaucoup également. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors j'ai une annonce à faire, un petit peu comme on ferait un recrutement. Si vous avez envie de participer à l'une de mes vidéos pour faire un scénario, par exemple, je viens vous livrer et on tourne cette vidéo en livraison comme si c'était tout à fait naturel. Donc on ne fait pas de mise en scène très spécifique, donc vous êtes naturel, vous réceptionnez votre marchandise, etc. Ou bien un petit scénario qui peut se faire à la camionnette, donc vendre à la camionnette et à ce moment-là, c'est filmé. Eh bien, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message via la page Facebook biodoc.be. C'est facile, vous vous rendez donc sur Facebook, page biodoc.be, message privé, et vous m'envoyez un petit message avec ce que vous désirez faire, donc soit livraison, soit un achat à la camionnette, quelque chose comme ça que l'on pourrait filmer de façon, comme je le disais, donc très naturelle. La seule condition, c'est que vous n'habitiez pas trop loin du magasin pour avoir facile pour l'organisation en général. Donc le magasin se trouve à Trot, donc on va compter pour la région liégeoise. Voilà, si vous habitez la région liégeoise, eh bien, n'hésitez pas à liker aussi cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir. À laisser un commentaire si vous en avez envie. Pour les candidatures de vidéos, vous ne laissez pas en commentaire ici sur YouTube, mais tout ça se passe en privé, donc je le rappelle, via la page Facebook biodoc.be. Et si vous avez aimé cette vidéo, donc likez, commentez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et je vous encourage à cliquer sur la petite cloche juste à côté de s'abonner pour recevoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. C'est vrai que je le répète beaucoup, mais tout le monde ne sait pas toujours comment on utilise YouTube de A à Z, et puis voilà, c'est bien la petite explication. Je vous dis au revoir et à bientôt.